Bonjour à tous, c'est Kilou. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment gagner les courses 700 et 800 pp, mais ultra facilement. Plus facile que ça, tu peux pas faire. Donc, pour ce faire, il te faudra la SRT Tomahawk X VGT. Voilà, donc si tu l'as pas, ben fonce en concession te l'acheter. Farme un petit peu et puis achète-la si tu n'as pas pu encore l'acheter. C'est une voiture qui vaut 1 million, donc elle est pas, c'est pas une des voitures les plus chères parce que il y en a qui coûtent très très cher. Donc voilà, une fois que tu as celle-ci, on va regarder un petit peu les paramètres. Voilà, tu te fais une feuille là, tu cliques là, tu t'ajoutes une feuille. Voilà, et tu recopies. Moi, c'est ma feuille 600 pp. Donc, au niveau des pneus, tu mets les pneus course dure. Ici, il n'y a rien qui change. Tout ça, ça reste normal. Le ECU, tu mets l'ECU à 70. Le restricteur de puissance à 70 aussi. Boîte de vitesse entièrement personnalisable course. Tu mets la vitesse de pointe à 580 km/h. Tu vas sur les réglages manuels et tu règles ta boîte de vitesse comme ceci. Voilà, tu recopies ça. Première, deuxième, troisième, tu les montes au taquet que tu peux. Parce qu'au début, tu n'auras pas 9000 et quelques. Hein. Tu vas être dans les 5 ou 7000 si je me rappelle bien. Tu montes au taquet. Tu fais ça. Une fois que tu as la troisième qui est montée au maximum. Tu retournes sur la première, tu remontes au maximum jusqu'à que tu arrives à te régler comme ça là. Voilà. Tu recopies ça. Et à partir de là, ça sera tout bon. Tu auras une voiture qui fait 595 pp, 0,05, avec 1372 chevaux. Donc j'aime autant te dire que ça va vraiment, ça arrache au taquet. Et ça va vraiment bien. Pour faire les courses, tu mets ta. Dans les paramètres d'assistance, tu te mets sur boîte manuelle, en manuel. Après, tu vas sur tes circuits mondiaux et tu fais tes courses 700, 800 pp. Même les 600 pp aussi, hein. Tu peux y aller. Je vais cliquer sur l'Europe un peu pour te montrer. Bah tiens, celle-là. Tu vois que j'ai fait. J'ai pas fait là, il y a une course 800 pp là. Tu vois ces courses là. Les GR3, on n'y compte pas parce que c'est autre chose. Tu vois que là, il faut être 800 pp, 10 tours. Je te montre vite fait, je vais pas faire la course non plus dans son intégralité parce que j'ai pas envie de faire la course tout de suite. Donc tu vois que là, ça passe. T'as une consommation de carburant un petit peu élevée, l'usure des pneus aussi. T'as dit bagnole, voilà. Là, il y a ces 168 000 la récompense, mais bref, on s'en fiche un peu de la récompense, mais c'est vraiment pour te montrer qu'avec cette voiture, tu peux gagner absolument toutes les courses en 800 pp et 700 pp sans forcer. Tu te mets sur la feuille paramètre 600 pp comme je te l'ai montré juste avant là, et tu fais ces courses-là avec. Et puis voilà, au départ des courses, fais très attention de taper dans personne, comme ça t'es vraiment tranquille. Parce que si tu tapes, tu vas pas avoir le bonus course parfaite. Hein. Et ça c'est pénible. Donc voilà, hop, on va démarrer ça. Donc là, tu vois, c'est là que je te dis quand tu démarres ta course, tu fais paramètres, paramètres d'assistance. Transmission, si tu es en automatique, bah là tu vas pas y arriver, faut que tu te mettes sur manuel. Hein. Tu te mets bien en manuel ici. Et puis voilà, tu peux faire la course. Donc là, tu vois, je reste en quatrième pour l'instant. C'est volontaire, hein. Je vais pas chercher à me mettre tout de suite la septième. Je me mets comme ça, parce que je vais faire très attention de ne pas percuter quelqu'un là. Parce que tu vois que la voiture elle accélère sévère. Hein.
Après, si vraiment t'as envie, hein, tu peux te caler en 7ème direct, hein, ça, y a pas de souci. Moi, je fais comme ça parce que. Mince, tu vois, je les percute. Bon. Après, voilà, tu passes les premiers. De toute façon, je vais vraiment pas finir la course. Hein. Vraiment, c'est juste pour te montrer que. Tu vas doubler ça, regarde, même en 7ème. Vraiment. Sans forcer. Et puis que le circuit, tu vois, tu roules normal, hein. Y a pas de soucis, quoi. Mais une fois que t'as passé tout le monde, là, tu te mets, quand t'es premier, tu te mets en 7ème. Dans tous les cas de figure, hein, si tu veux jouer un peu avec les vitesses. Par contre, tu rétrogrades jamais en dessous de la 4ème, hein, parce que la 3ème, elle rupte et la voiture, elle avance pas. Voilà, tu vois que j'ai pas forcé, hein, pour être premier. Et puis bah après, tu vois, une fois que t'es en tête, bah voilà, t'as juste à rouler puis faire ta vie. Tu vois qu'en rien de temps, là, je leur creuse déjà un écart de folie. Et puis voilà quoi. Donc tu fais ça et puis tu vas gagner la course sans aucun problème. Tu fonces dans personne, tu fais pas comme moi je viens de faire là. Et puis t'auras le bonus course parfaite et puis. Et puis voilà, puis en plus de ça, ben, ça te permet de gagner tes courses 600, 700 et 800 pp qui sont relativement difficiles avec les autres voitures. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc là, je vais quitter la course. Tu vois, tu peux regarder sur la carte, sur la droite. Regarde, en rien de temps, là, ça fait 2 minutes que j'ai commencé la course. Tu vois que je leur mets déjà le boulevard. Autant dire que sur les 10 tours, tu vas les rattraper, tu vas les redoubler encore. Et puis voilà. Donc moi, je quitte cette course. Voilà. Puisque j'ai pas envie de la faire maintenant. Mais voilà, tu sais que avec cette voiture, tu peux faire tous ces genres de courses-là. À savoir qu'il y en a quasiment sur tous les circuits, presque. Hein, donc... voilà, là où t'as pas de restriction, là tu vois, tu peux rentrer sur ça. Partout où tu vois qu'il n'y a pas de restriction spécifique sur la voiture, tu peux y aller quoi. En fait, sauf si jamais, je sais pas moi, je sais pas s'il y en a qui sont embêtantes, tu vois, comme là, 700 pp. Ça peut rentrer, mais des fois il y a peut-être. J'ai pas regardé toutes les courses, hein, je veux pas te dire que j'ai regardé toutes les courses, je les ai pas trop regardées. Mais si jamais, par exemple, tu dois avoir une voiture absolument un modèle japonais, bon bah tu pourras pas la faire avec cette voiture. Mais sinon, s'il n'y a pas de restriction, tu peux y aller avec ça, tu vois, sans problème. Je t'en montre 2-3 là vite fait. Tu vois que voilà, tu peux rentrer dans toutes les courses quoi. Donc voilà. Et ben, je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. À me laisser un pouce bleu, ça me fait toujours énormément plaisir. Laissez-moi des commentaires aussi. J'essaye de vous répondre au maximum. Et je tiens à remercier particulièrement tous mes abonnés qui me suivent régulièrement. Un grand merci à vous tous. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Merci à tous. Au revoir.